Salut à tous. Alors la dernière... Merde. Comme ces questions, vous savez, du style... depuis combien de temps vous êtes au chômage? On est quasiment systématiquement bombardé de questions toutes plus débiles que les unies. Putain. Ah mais attends, sans déconner. Qu'est-ce que... En quoi ça va t'aider? Attends. Non, j'ai pas d'enfant. Et puis, j'en veux pas, hein. D'ailleurs. Non, j'ai pas d'enfant. Et puis j'en veux pas, d'ailleurs. Et puis de toute façon, je suis eunuque... Je refuse tout contact social ou humain et Merde, non, attends. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui... Putain, c'est carré, merde. Et bah crois-moi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaillerait dans le monde, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaillerait dans le monde. Non, ça va pas. Sur Terre, à la limite. Que lui, il vote PS, par exemple, et toi, les Verts. Vous aurez pas les mêmes bolides. Putain... Si t'as pas les mêmes opinions politiques que le recruteur ou l'employeur, tu travailleras moins bien. Merde. Si t'as pas les mêmes opinions politiques que l'employeur, tu travailles... Putain... Merde. Oh, oh. Alors, ma grand-mère a de l'hypertension, mon grand-père a du diabète, ma tante a un AVC. Merde. Voilà. Ouais, rien celui-là, il est trop chaud. Enfin, pas du tout aussi. Ma tante a un AVC, mon père a le cancer du fumeur. Le cancer du fumeur, merde. N'importe quoi. N'importe quoi. Totalement n'importe quoi. Attends, comment je pourrais faire le... Attends, j'ai inventé le... J'ai inventé un grand fou. C'est d'abord. T'imagines, y'a un gars qui passe là devant la fenêtre et tout, il va faire « C'est quoi Star et qu'est-ce qu'il fait chez lui ?»